Coucou les loulous, c'est moi, c'est Mimi. Alors là, vous me retrouvez avec un temps plutôt magnifique parce qu'on ne le voit pas derrière moi, mais normalement, je suis dans ma caravane et il y a une fenêtre et aujourd'hui, il fait beau et c'est rare parce que d'habitude, je suis à la montagne en station où j'ai croisé ma flamme Juju. Moi, je suis plutôt en fin de parcours. Ce qui est génial avec moi, c'est que vu que je suis dans une caravane, je vous fais voyager. Vous avez tout, la mer, la montagne. Alors là, actuellement, je me retrouve plus en station. J'ai terminé. Je suis au bord du lac Titicaca. Et comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a du sel derrière moi. Donc, s'il y a du sel, c'est qu'on est proche de la mer. On va commencer pour vous, les loulous. Allez, c'est parti. Donc, moi, je suis plutôt une flamme en fin de parcours. Et puis, voilà. Salut à tous. C'était quoi ce salut à tous que j'ai fait? On aurait dit un vieux corbeau sur lequel on tire en plein vol. C'est salut à tous. Alors, on va arrêter les conneries. Mais elle marche pas, cette casque. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas si vous aurez reconnu, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de matière pour pouvoir parodier Mimi. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à parodier chez Mimi. Elle est vraie. Alors, non pas que les autres sont faux, mais Mimi, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a à peu près un an et que ça m'a toujours parlé. Ce que j'adore chez cette femme. C'est ce côté justement un peu bohème et vagabond. Un coup elle est au bord de l'eau, un coup elle est en montagne, elle bouge, elle voyage et je pense que personnellement ça doit aussi beaucoup l'aider sur son chemin de vie. Et puis c'est l'une des premières que j'ai vues où ça m'a dérouté au début en me disant c'est pas classique ce qu'elle fait, c'est moins ça veut rien dire. Personne ne voit. C'est moins sérieux. Pas dans le contenu, mais dans ce qui est autour. Elle est vraie, elle est légère, et ça, j'ai beaucoup apprécié, donc j'avais envie de faire une petite imitation. Je suis désolé, Mimi, pour ta longueur de cheveux au niveau de la perruque. En fait, on me l'a prêtée, et je pensais que c'était la même que j'avais utilisée pour Sylvia, donc beaucoup plus longue, et en fait, pas du tout. Donc, Mimi, je t'ai fait un carré. Désolé. De toute manière, c'est mon métier. Je suis coiffeur. Allez, on va démarrer avec le reste des guidances du mois de juin. Et on a fait les balances, on a fait les gémeaux. Et c'est à qui le tout tour? Je me fatigue moi-même. Ah, j'en ai deux. Bon, attendez, je vais refaire parce que j'en ai deux qui sont sortis. Pas de jaloux. J'ai pas envie de me faire lapider sur une place publique parce que j'ai pris un signe alors qu'il y en avait deux. Vous allez tous crier « Au bûcher le sorcier, au bûcher !» Comme dans Les Visiteurs, quand Christian Clavier se retrouve... Jacquard, hein, pas Jacouille, hein, se retrouve pris au Moyen-Âge, qu'il est enfermé sur le bûcher avec l'inquisiteur. Et l'autre qui l'attache. « Vous voulez pas d'un gros chèque? Vous voulez pas d'un gros chèque de cotisation ?» Et qui laisse tomber, tu sais, une sorte de petite boîte, c'est une boîte à meux. Et que l'inquisiteur prend et... C'est sorcellerie, c'est diablerie. Allez. Les taureaux. Pour le mois de juin. Alors, je vais juste essayer quelque chose. En fait, si vous voulez, je vous explique juste deux minutes. Avant, généralement, les guidances, maintenant, j'aime bien... Et c'est important pour moi de faire une sorte de méditation. Donc je le fais. Simplement, vu que je redémarre toujours mes vidéos avec cet humour, cette limitation, je suis plus dans une énergie calme. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais écouter... La musique que j'écoute une des musiques que j'écoute lors de méditation, je vais vous la montrer. C'est ça. Pendant que je tire les cartes, ça me permettra juste de pouvoir me recentrer pendant que je brasse les cartes, sachant qu'après j'enlève mes écouteurs
Et on démarre. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein ? On va arrêter de râler. Pas pour tout le monde, mais il y en a. Oh, ils sont jamais contents. Hop. Donc vous inquiétez pas, je suis pas en train de m'écouter le dernier Booba. De toute manière, j'aime pas. Hop, on est parti juste pour que je puisse mélanger les cartes et après je reviens avec vous sur Terre. Pour les taureaux, pour le mois de juin. Le rêve, la réunion, l'amour, l'arme, fait beaucoup de bien cette petite musique. Allez, on va retourner. Enfin, les cartes, hein, c'est pas vous, hein. Et on va essayer de voir un petit peu les domaines. On va voir ce qui ressort. On va essayer de faire le pro. On va faire l'amour. On va faire l'amour. Je vous vois venir, petit coquin, pas du tout.
Puis je vous rassure tout de suite, j'ai absolument pas assez de force pour le faire avec tout le monde. Allez. La naissance. Le delta. Le boomerang, l'illusion. La réunion, malheur. La santé, la prière. Sexualité, retour. Voyage, doute. Verdict, méditation. Jalousie, femme. Fatalité, frère. Pour les taureaux, pour le mois de juin. En énergie qui vous représente, c'est vous. La naissance et le delta. La carte de la naissance peut nous parler, donc, sans deck, d'une naissance qui est à venir ou qui est là. Mais elle ne va pas forcément parler que de la naissance, on va dire, physique d'un bébé. Surtout avec le delta qui est à côté. La naissance, elle va vraiment nous parler d'un renouveau. D'un renouveau, elle va nous parler du fait de se réveiller, de vivre quelque chose de totalement nouveau. On peut être sur la naissance d'un projet, d'une idée, de quelque chose. Dans tous les cas, c'est nouveau. Parce qu'avec le delta, vous avez vraiment la connaissance, la clairvoyance. Vous ouvrez les yeux. Pour certains taureaux, on peut avoir vraiment cette notion d'être en train de se réveiller sur quelque chose. Les tirages, il faut le savoir, il y a toujours différents degrés de lecture. Il y a ce qu'on vit, ce qu'on appelle dans la matière, donc ce qui est concret quand on fait de la divination, c'est-à-dire qu'on voit des choses qui vont arriver dans le temps sur votre mois ou un petit peu avant, un petit peu après. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi savoir, si vous n'êtes pas forcément éveillé spirituellement, c'est qu'on parle aussi de choses plus profondes. Et le delta, c'est ça. Certains sont en train, je pense, d'effectuer aussi un éveil spirituel sur des choses. On est en train de se rendre compte qu'il y a un profond changement autour de nous. On le voit chez les autres quand on y prête attention. On est sur une période où il y a de la transformation et les gens sont en train de se réveiller à ce qui avait été oublié pour beaucoup. C'est une belle énergie pour démarrer le mois. Le boomerang, l'illusion. Le boomerang va nous parler du retour, pas forcément d'une personne, mais du retour d'une situation. C'est-à-dire qu'en fait, les pensées ou l'énergie qu'on a pu diriger dans quelque chose qui s'est passé nous revient aujourd'hui. On peut aussi parler du mot boomerang de semer ce que l'on récolte. Vous avez l'illusion. L'illusion qui nous fait référence à un masque. À quelqu'un qui n'est pas dans le vrai. Quelqu'un qui, lui, n'a pas ouvert les yeux. Ou pas encore. Cette situation de retour, elle vous oblige, si c'est vécu pour vous-même, à justement voir les choses différemment. Parce qu'on ouvre les yeux, on abandonne quelque chose. On abandonne quelque chose qui ne nous sert plus, qui n'est plus nous-mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez été comme ça pendant longtemps que vous l'êtes encore aujourd'hui. Et vous vous en rendez compte, il y a quelque chose à lâcher. Quelque chose à lâcher parce que c'est quelque chose qui vous libère aujourd'hui. Si c'est une autre personne qui revient, elle a à se libérer de ça. De ne plus être dans l'apparence, dans le contrôle de ce qu'elle ressent, et de montrer réellement qui elle est. Il n'y a plus de faux-semblants. Il n'y a plus de faux-semblants et certains, dans la situation, que ce soit vous ou une autre personne,
on est là justement pour revivre quelque chose lié à votre passé, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas déchiré et que vous êtes prêt à passer à quelque chose d'entièrement nouveau dans votre vie. On a la réunion. Donc la réunion, effectivement, par rapport au boomerang, la réunion, on a bien des retrouvailles et en tout cas des échanges, de la communication. On se retrouve pour pouvoir discuter. Quand on parlait d'illusion, justement, on se retrouve pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir mettre à plat, préparer quelque chose aussi. Concernant quoi ? Le malheur. Certains vont vivre des choses au niveau du passé qui les renvoient à une perte, à un deuil. Dans tous les cas, à un élément qui a engendré de la souffrance. Retrouvailles avec des personnes concernant cette situation, peu importe le domaine, peu importe le domaine, mettez-le dans ce que vous vivez, vous comprendrez. Effectivement, réunion, malheur, santé, prière. On peut avoir perdu quelqu'un. On peut avoir perdu quelqu'un. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Je ne dis pas que la mort, si pour ceux qui ont perdu quelqu'un, est bénéfique. Mais dans tous les cas, elle vous permet de vous... Ce qui a été perdu vous permet aujourd'hui de vous libérer de quelque chose entièrement. Et c'est ce qu'on vous demande. Il y avait aussi une notion d'illusion ou de masque concernant le rapport que l'on pouvait avoir dans cette situation. Et aujourd'hui, la perte de cette chose vous libère totalement et vous fait ouvrir les yeux sur quelque chose de nouveau. La prière. La prière, c'est l'expiation, c'est effectivement le fait de prier. C'est se libérer de fardeaux que l'on a gardés pendant cette période justement de souffrance, de faux-semblants, de difficultés. Pendant qu'une personne souffrait peut-être. Et dans tous les cas, quand on parle de santé, on ne dit pas que vous étiez malade. Bien que la santé est toujours un sujet délicat, donc je le survole, mais je dis ce que je ressens. Cette perte, ce qui a été difficile aujourd'hui, est replacé devant vous dans un contexte qui revient pour une confrontation, des réunions dans tous les cas. Vous devez vous libérer d'une part. Ce n'est pas de votre faute, vous n'avez rien à vous reprocher. Et si vous avez eu des torts, c'est qu'ils ont été placés devant vous pour ouvrir les yeux et laisser tomber quelque chose. Pour retrouver l'équilibre. Certains ont dû dire au revoir. Certains ont dû dire au revoir et se sont retrouvés au milieu de quelque chose ou d'énergie du passé qui ne leur convenait plus, qui leur créait du stress. Et aujourd'hui, on vous dit, libérez-vous de tout ça. Libérez-vous et ce que vous avez perdu n'est pas parti entièrement. Il y a une règle en physique qui est très intéressante au niveau de la loi et
dans la vie, on la retrouve aussi. On vous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On va se libérer. Ce qui va nous permettre quoi? C'est plutôt pas mal pour vous. On a la sexualité. Et le retour. Boomerang, retour. On peut, et effectivement, être sur le retour de quelqu'un. Du passé. Ce cycle revient tout simplement parce que vous avez quelque chose à devoir comprendre et voir. Il y a une différence entre regarder et voir. Quand vous regardez avec vos yeux, ouais c'est... Mais il est con celui-là, c'est bien mieux. Oui, bah oui, on regarde pas avec notre cul. Hein. T'imagines? Comme Ace Ventura, tu sais. Coucou! On a quelque chose qui vous attire grandement sur un plan plus charnel, plus physique. On est sur les désirs. Si vous êtes passé par une période qui n'était pas forcément évidente, puisque vous aviez quelque chose à lâcher, une souffrance aussi à devoir achever pour pouvoir changer, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, vous avez un certain retour au désir dans votre vie. Le voyage et le doute. Le voyage, c'est le mouvement, les déplacements. On peut être amené à bouger. On peut être amené aussi à s'élever au-delà de ce que l'on voyait. Pourquoi? Parce que le delta vraiment nous éclaire. C'est-à-dire qu'on ouvre les yeux sur ce que l'on ne voyait pas. Et sur celle-ci, on peut le voir. La montgolfière, elle monte. Et le mec a une longue vue. Donc c'est-à-dire qu'il regarde. Ce qu'il regarde, c'est ses propres désirs. Sa propre voix. Savoir où l'on est, ce que l'on est, et où on désire aller. Pour cela, forcément, on doute, puisqu'il y a un choix. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, de chemin, plusieurs possibilités éventuellement de personnes, peu importe le contexte. Et pour le taureau, on peut penser qu'on n'a pas encore toutes les informations qui nous permettent à ce jour de prendre la décision. Si c'est le cas, alors ne vous inquiétez pas, parce qu'elle va arriver beaucoup plus vite. Puisque la carte d'après, c'est le verdict. Le voyage, il n'est pas que physique. Il n'est pas que sur le fait de pouvoir bouger, se déplacer physiquement. Le voyage, il peut être en vous. Réellement comprendre quelque chose pour renaître et vivre différemment. Accepter aussi une part en vous qui pouvait être caché avec la lune. Aujourd'hui, vous la voyez. Les étoiles aussi peuvent faire référence aux rêves. C'est ce que vous avez eu dans votre couple, les rêves. Et le doute. On a besoin d'encore quelques informations pour pouvoir décider et choisir. Pour pouvoir comprendre. Ce qui peut encore vous faire peur et vous rattacher, c'est de ne pas avoir toutes les informations. Ce qu'on est en train de vous dire par rapport à celle-ci, c'est de ne pas rester dans des fantasmes de choses que vous désirez,
C'est comme les films. Vous regardez des films où l'on voit d'autres personnes qui réalisent leurs rêves dans leurs films. C'est toujours ça, quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a rien pour lui, et qui finit par avoir tout ce qu'il veut avec une personne totalement opposée, et finalement, il se retrouve. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que c'est une intention. C'est-à-dire que tout dépend de l'intention que l'on y met. Si vous voulez vivre quelque chose de plus grand, si vous voulez vivre quelque chose qui vous ressemble, vous sentir vraiment qui vous êtes, le soleil va de nouveau se lever pour vous. Il va falloir sortir de ce qui est là-dedans et poser des actions pour que ça se réalise. Puisque vous devrez choisir. Juste après le doute, quand on vous dit « vous devrez choisir », vous avez le verdict. Donc oui, vous allez choisir. Derrière ce juge, ce qu'on peut voir, c'est un soleil. On peut parler de résultats positifs. Ça ne veut pas dire que la réponse sera positive. Ça veut dire que le résultat sera positif pour vous, dans tous les cas. Même si ce n'est pas la réponse que vous attendiez. C'est la même chose que le delta. La mise en lumière sur quelque chose. Par rapport au conflit, puisqu'on a la réunion qui est juste au-dessus. Quelque chose qui vient tendre à l'équilibre. Et c'est très important pour vous, puisque vous avez juste en dessous la méditation. Sauf que quand on voit la méditation juste en dessous du verdict et de la réunion, on peut aussi nous parler, au milieu, avec le M, de médiation par rapport à un conflit. La méditation, quand je vous parlais d'un cheminement personnel intérieur, éventuellement pour certains qui seront à même de comprendre et qui désireront avancer là-dedans, d'éveil spirituel. C'est ça, c'est les réflexions, c'est les pensées. Pas étonnant, puisque vous avez le doute. Donc évidemment, qu'on prend quelque chose en soi, on a besoin d'être à l'intérieur de soi, de faire le calme, de réfléchir, de savoir ce qui est important pour nous. Ce qui nous bloque peut-être encore un peu dans cette situation, c'est la jalousie. On a la jalousie avec la prière qui est juste au-dessus. La jalousie représente trois personnes, la prière représente trois bougies. On pourrait être sur le choix entre deux personnes, justement. On a la femme et la jalousie. Donc, on est en tirage général, la femme ne représentera pas forcément qu'une femme. Mais on se libère aussi, pour certains qui comprendront ce message, de quelque chose qui a été difficile, où l'on ne s'est pas senti protégé et aimé à sa juste valeur concernant une femme. Avec la santé, la prière, les malheurs. Peut-être que cette femme est partie aujourd'hui. Vous êtes en train de comprendre que si cette femme ou si cette personne justement n'est plus là, vous, paradoxalement, et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, c'est que vous vous libérez de cette sensation de ne pas recevoir ce que vous devez recevoir, de ne pas avoir été à la bonne place ou à la juste place avec cette personne. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la guérison. Le choix peut être entre deux personnes. La fatalité. Cette situation qui s'est arrêtée, qui est partie, qu'on pourrait presque vivre finalement
comme un deuil, vous fait comprendre que c'était nécessaire, que ça a été douloureux, mais ça vous fait retomber entièrement sur terre, les pieds sur terre, ce que vous étiez dans vos rêves. On vous dit, aujourd'hui, il y a des choses que tu as trop mis de côté, que tu as besoin de régler. Pourquoi ? Parce que rien n'a été perdu. Ce que tu as mis de côté était toujours là. C'est juste que tu as besoin de les remettre à leur juste place. Et à l'intérieur de toi, pareil. Il y a des conflits qui n'ont plus lieu d'être. Le frère. On peut être sur le partenaire, sur quelqu'un de la famille, sur l'égal, l'âme. Donc on peut vraiment avoir une situation conflictuelle ou se libérer de quelque chose au sein de sa famille, de son entourage proche. Et pour, en même temps, pour d'autres, il y a faire la paix. C'est drôle, les Gémeaux ont eu aussi un petit peu un message similaire. On fait la paix avec ces conflits à l'intérieur de soi. Le doute, si vous regardez bien, on est pareil. Vous avez ces deux choses opposées. Ici, c'est pareil. On peut être sur vos... une dualité à l'intérieur de vous. Libérez-vous. Ce qui vous est arrivé est en train de vous transformer. On a quand même le retour, la sexualité et le frère. Alors non, on n'est pas tous des Lannister, on ne va pas tous coucher en famille. On sait comment ça se finit de toute manière. On nous parle de sexualité, de retour et de frère. Donc on pourrait parler aussi d'un retour de désir, d'une période de intense charnelle avec quelqu'un qui nous correspond totalement ou avec qui, en tout cas, dans ce domaine-là, on vit quelque chose de totalement épanouissant. Allez. Pensez à la chanson de Morane et de Lara Fabian, je crois que c'est Toi, tu es mon autre, ou un truc comme ça. Alors, je vais pas la chanter parce que je pense que ça sera un massacre. Toi, tu es mon autre. Oui, voilà, je l'avais prévu. Je l'avais vu. On vous parle d'automne, de détachement, du lâcher-prise. On l'a par rapport à la situation. On parle éventuellement d'un balance scorpion-sagittaire. Dans tous les cas, que ce conflit ou ce qui a été vraiment difficile, on parle de la période de l'automne. On parle de prudence, de ruse par rapport à ça. L'illusion, le masque, le boomerang. De faire attention. Et on le sait, vous faites attention, parce que vous avez le doute. Tant que vous n'êtes pas certain, vous ne choisissez pas. On parle d'une relation, de pensée, de quelque chose de caché. Par rapport à la sexualité, on peut être là-dessus aussi. La jalousie, la femme. On parle de vie double ou de relation secrète. De quelque chose qui est préservé, qui est caché. Quand je vous disais, le delta pour certains, vraiment comprendre une naissance et un éveil spirituel. Vous avez la carte de la spiritualité et de l'éveil.
On vous dit vraiment, avec la carte des doutes et de la méditation, qu'il va falloir vraiment être à l'intérieur de vous et vous écouter dans les choix que vous allez avoir à faire. N'écoutez que vous. Gardez l'esprit ouvert, espièglerie et amour, non, réciproque pour certains. Le choix. On a quand même, avec la double vie, les deux personnes. Pour certains, on peut être dans une hésitation entre quelqu'un du passé qui n'a pas toujours été honnête ou vous qui n'avez pas toujours été honnête avec quelqu'un du passé. On a un choix à faire et on vous dit dans tous les cas qu'il y a dans cette relation, forcément, s'il y a un choix à faire, l'un des deux n'est pas la personne qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut pour retrouver l'amour, on vous dit de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On l'a exactement là-dedans. Pourquoi ? C'est un enfant, la naissance. Réapporter de la légèreté, revivre différemment. Redémarrer à zéro. Et garder l'esprit ouvert. C'est ce qu'on vous dit de toute manière, tout votre tirage. La méditation. Ouvrez les yeux, l'esprit. Open your mind. On va prendre le 77. Je vous fais une salade de fruits de cartes, en fait. Ouh là là! Alors, on est pile poil là-dedans. Avec les 77, vous démarrez avec la carte 38, qui nous parle aussi de l'état de santé. Quand on nous parlait de malheur, de santé. On peut nous parler avec celle-ci d'addiction, on peut nous parler de problèmes de santé subis autour de vous. Quelque chose s'est terminé, vous avez perdu quelque chose. Vous avez la 89. Alors, je suis en train de vous dire, mais elle n'existe pas, la 89. Elle est à l'envers, c'est la 68. C'est la nouvelle porte. C'est les propositions. C'est l'ouverture. L'ouverture, vous l'avez. Vous avez le choix. La possibilité de redémarrer quelque chose dans votre vie à zéro. Vous avez la 1, la 1, la 1, la 1, comme vous voulez. On vous parle effectivement que vous avez perdu quelque chose. C'est la mort, mais la mort pour la renaissance et la transformation. C'est ce que je dis pendant tout votre tirage, la naissance, la transformation. Ce que vous avez vécu de difficile vous permet complètement aujourd'hui d'avoir une possibilité, une ouverture et de vous transformer. On vous propose également ce qui est placé sur votre chemin actuellement. C'est la 32, cette notion de spiritualité. C'est ce qui est placé, cette transformation chez vous.
Quand on vous dit de prendre du recul, vous l'avez là-dessus. Vous élevez, voir différemment, prendre du recul. Pourquoi ? De faire un travail sur soi, de réfléchir avant d'agir. Vous l'avez, c'est votre doute. Réfléchir avant d'agir, vous n'avez pas toutes les données. On vous parle aussi de spiritualité, de travail sur soi et de méditation. Paf, on est en plein là-dedans. En carte, c'est un peu conseil. J'ai envie de reprendre les sagesses d'Avalon. Et vu qu'on fait toujours comme on veut, c'est parti. On l'a, notre carte. Allez. On nous parle de la richesse pour vous. On vous parle de la richesse dans ce qui est en train d'arriver. On peut être sur quelque chose de matériel. Après quelque chose qu'on a perdu, on parle de réunion, de verdict. Il y a peut-être une notion aussi financière, mais pas la richesse, il faut la voir bien plus au-delà que ça. La richesse, c'est pouvoir totalement s'ancrer, avoir des racines profondes, pouvoir grandir et s'élever, apporter l'abondance. On peut être aussi de nouveau... Regardez, il y a deux arbres. Voilà. Quelque chose d'équilibré avec quelqu'un aussi. Par rapport au doute. On va prendre... Les portes de l'intuition. Pour la carte, vous représentant. C'est hallucinant. Tout à l'heure, je vous ai dit de sortir de vos rêves. Et je vous ai parlé, vous pouvez même retrouver la vidéo parce que je ne vous ai pas dit de mensonge. C'est comme quand on regarde un film. On voit ces gens réaliser leurs rêves et nous, on les regarde. Voilà. La carte vous représentant, le film. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On ne peut pas dire mieux. C'est votre ouverture, c'est votre naissance. On ne peut pas dire mieux, on en a parlé. Ne regardez plus, vous avez assez regardé. Choisissez maintenant et mettez des choses en action pour que ça se réalise. Votre mission de vie, ce que vous désirez, pourquoi vous... En gros, elle répond à « Qu'est-ce que vous foutez là, sur Terre ?» Et certains ne se posent pas la question, mais moi je me la pose depuis des... Vous avez vu ce bruitage de qualité, tu sais, depuis longtemps. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On l'avait tout à l'heure. On parlait de retour, d'éclaircissement de naissance, de verdict, de méditation. On l'avait aussi avec ces, je vous l'ai dit, ces deux notions de faire la paix et d'abandonner quelque chose chez soi. Ces deux facettes de personnalité, ces deux facettes, ces choses qui sont en vous et qui se combattent un petit peu. D'être bienveillant aussi envers vous-même et surtout envers vous-même. Tant que vous n'avez pas compris que tout part toujours de là. Ce n'est pas les autres qui interagissent autour de nous dans la vie de tous les jours, qui nous apporte des réponses. En fait, les autres agissent un petit peu en miroir de ce que l'on est à l'intérieur. Tout démarre toujours de là. Ce que vous allez devoir comprendre ou éventuellement abandonner. Ben voilà. On vous parle de loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. On vient de le dire. Avec lucidité, vous l'aurez la lucidité, la clairvoyance. Voyez la puissance de cette force. Sortir de vos rêves, commencer à matérialiser et à concrétiser les choses.
il faut aussi parler. Ce qu'il va être encore vécu comme un obstacle pour vous, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en votre bonne étoile. Tout à l'heure, je vous ai dit. Les étoiles qui représentent aussi les rêves. Et on l'a avec le film, on l'a avec votre couple, les rêves. En fait, on vous demande une seule chose. Et c'est peut-être difficile pour vous, mais on vous le demande. Parce que c'est ça votre clé. Croyez en vous. Vraiment. Vous en avez les capacités. Croyez en vous. Et quand tout ce qui nous arrive autour de nous, on le vit difficilement, si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez vraiment grandir, ouvrez les yeux. Ne restez pas bloqué sur ce qui ne vous va pas. C'est comme si vous regardiez un tableau, vous êtes dans une galerie où vous regardez un tableau. Le tableau est ici et on vous demande qu'est-ce que tu vois, mais vous êtes comme ça. Vous allez effectivement voir des choses, mais ça paraît flou parce que vous êtes le nez collé. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre de la hauteur, de regarder différemment et là, ah bah merde, on se rend compte en fait que l'image est plus nette et qu'on voit autre chose autour, qu'on ne voit pas le point sur lequel on est focalisé, qu'on voit maintenant un ensemble. C'est ce qu'on vous demande. Votre bilan, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous positionner. Ne restez plus dans les rêves. Décidez pour vous de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ne l'attendez pas des autres. Démarrez-le pour vous-même. Et on va terminer par un petit... Oh, je vous ai fait un tirage... Plus, là, mais... Qu'est-ce qu'il va nous dire, le petit Ganesh, pour vous ? Non, il y en a trop. Désolé. Bon, une carte, ok. Bon, il y en a deux qui sautent. Ok, mais là, s'il y en a quatre, je vais pas vous donner les quatre. Hein. Vous n'allez pas avoir durable et durable et durable, les taureaux. Hein. La joie. Avec la naissance, redémarrer quelque chose. Comme un enfant, redémarrer. On l'avait où ? La carte de l'espièglerie. Voilà. Réapporter de la joie dans votre vie maintenant. Et si vous voulez recevoir de la joie, ouvrez-vous et commencez à en donner, à en répandre pour vous et autour de vous. C'est comme ça que vous en recevrez. On va juste terminer du coup avec un petit message des cartons, des anges de Mich Mich pour les taureaux. Angel Assistance. Je vais vous la lire. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider et de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Vous êtes en plein dans la guérison, je vous l'avais dit. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée H24. Donc, il faut aussi prendre en compte cette carte. C'est qu'elle parlera aussi plus à ceux qui sont réveillés spirituellement ou ceux qui croient à ces choses-là. Vous n'êtes pas seul. Je vous l'ai dit avec celle-ci. On a peut-être perdu quelqu'un ou quelque chose, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je pense que c'est le mot de la fin pour vous, pour votre mois de juin. Je vous fais un gros bisou. Et à très vite.